Comment faire pour avoir l'air crédible et gagner la confiance de ses prospects, surtout quand on n'a pas de témoignages clients et qu'on a peu, voire pas, de projets à montrer? Parce que tous les entrepreneurs ont commencé quelque part, et bien je vous propose à travers cette vidéo de vous apprendre à gagner en crédibilité et apprendre comment rassurer vos prospects. Découvrons ensemble sur quoi est fondée la crédibilité, quelle est vraiment l'importance des témoignages clients, et enfin, je vous présenterai 5 étapes pour augmenter justement cette crédibilité, et ce, même si vous n'avez pas de témoignage client. Et restez bien jusqu'au bout car je vous parlerai d'une personne, le fondateur d'une marque mondialement connue que peu de personnes prenaient au sérieux. Aujourd'hui, il fait ravaler leur sarcasme à bien des médisants. Coucou les créapreneurs, je suis Lédiès et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et surtout se faire remarquer. La crédibilité et la confiance, sur quoi sont-elles fondées? Même si je sais que vous n'êtes pas stupide, eh bien je vous propose de commencer par le commencement, vous verrez, ça a toute son importance. Définition du mot crédible. À qui on peut se fier, qui peut être cru, en quoi on peut avoir confiance. Lorsque vous achetez un produit, un service, eh bien vous ne l'achetez pas à l'aveugle. Non, non. Vous l'observez de près avant de vous engager. Si le conseil vient d'un ami ou d'un commercial, eh bien vous allez jauger de qui ça vient. Vous observez l'apparence du produit, du service ou de la personne. Vous analysez son message et son non-verbal. En somme, vous êtes en train d'observer si vous pouvez vous fier ou non à cette personne, à ce produit, à cette marque. Eh bien, bonne nouvelle, il en va de même pour vos prospects. Ce à quoi vous allez me répondre, oui, bon, tout ça, on le sait, ça va. Malheureusement, bien que vous en soyez conscient, eh bien, il m'arrive souvent, très souvent en fait, de voir certains d'entre vous lancer leur marque qui manque de consistance et de crédibilité. Inspirer la confiance et convaincre vos prospects, ça passe aussi par ce que vous et votre marque allez communiquer au travers de votre branding. Il n'est donc pas impératif d'avoir des témoignages clients pour développer son entreprise. Et si c'était le cas, eh bien je pense qu'il n'y aurait pas de grands entrepreneurs et de grandes marques dans ce monde. Car en effet, nous avons tous commencé quelque part. Les témoignages clients, parlons-en. Depuis que je suis entrepreneur, eh bien, j'entends parler de témoignages clients par-ci, de témoignages clients par-là. Lorsqu'un projet est terminé, eh bien, on vous recommande d'envoyer un mail à votre client et de lui demander un témoignage. Parfois, on ira jusqu'à lui demander une photo, des informations complémentaires. Et tout ça, eh bien, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à le publier sur le site web. Parfois, on lui demandera même jusqu'à une vidéo. Et enfin, histoire que le business tourne à fond les ballons, eh bien, il vous est même conseillé de demander le nom de 5 personnes susceptibles d'avoir besoin de vos produits, de vos services. Est-ce que l'idée est intéressante et utile? À mon sens et selon mon expérience, je dirais que l'idée est intéressante. Maintenant, est-ce qu'elle est utile? Eh bien, je vous dirais simplement, pas toujours. Il faut vous attendre, malgré votre dévouement le plus total, à ce que certains de vos clients ne fassent ni témoignage ni recommandation. Et si je ne m'avancerai pas sur les raisons de leur comportement, eh bien je peux quand même vous dire une chose. Ne comptez surtout pas sur les témoignages pour travailler votre crédibilité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les témoignages ne servent à rien et qu'ils sont inutiles. Que du contraire. Néanmoins, votre évolution ne doit pas en dépendre car vous risqueriez d'attendre longtemps. Pour parfois, surtout au début, peu de résultats. La réussite de votre marque dépend de vous. Et seulement vous. 5 étapes pour être crédible sans témoignage client. Maintenant que vous êtes rassuré sur le fait que votre évolution ne dépend pas uniquement des témoignages clients, je vous propose de vous montrer 5 étapes pour augmenter cette crédibilité qui vous fait tant défaut et qui va vous permettre d'inspirer la confiance chez vos prospects. 1. Définir son positionnement et cultiver sa différence. La première chose à faire si vous souhaitez être crédible, eh bien, c'est de définir votre positionnement, définir votre différence par rapport à la concurrence. Et de fait, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle est votre différence? C'est cette plus-value qui va vous donner plus de crédit aux yeux de vos prospects, aux yeux de votre audience. La raison à cela, eh bien, elle est simple. Vous n'êtes pas la énième marque à débarquer sur le marché pour proposer une fois de plus la même chose. Non, vous, vous apportez plus de valeur à leur univers. Et enfin, si vous connaissez votre différence et les bénéfices que votre marque apporte dans la vie de vos prospects, eh bien, comment mieux les convaincre d'acheter vos produits, vos services
au détriment de votre concurrence. Point numéro 2, parler des valeurs de l'entreprise. Les gens aiment avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de plus grand qu'eux. Quoi de mieux donc que de participer à une bonne cause? Qu'il s'agisse de reverser un pourcentage de votre chiffre d'affaires à une ASBL ou de favoriser des méthodes d'exploitation plus respectueuses, vous leur donnez le sentiment d'avoir fait un choix plus gratifiant. Ça montre que vous aussi, vous êtes investi dans une cause. Et ce côté responsable et investi induit que vous l'êtes aussi par rapport à vos produits et vos services. Et enfin, vous apportez une raison émotionnelle à vos prospects, à votre audience, de vous faire confiance. Et ça, c'est très important quand on sait que les décisions d'achat sont guidées par nos émotions. Point numéro 3, développer sa personnalité de marque. Comme expliqué au début de cette vidéo, lorsqu'on essaie de vous vendre un produit, un service, il est important pour vous d'analyser la crédibilité de la personne. Est-ce que vous pouvez, oui ou non, avoir confiance? Et pour ce faire, vous allez observer 3 points. L'apparence physique, le non-verbal et la cohérence du message. Il est donc important de définir une personnalité de marque unique, forte et cohérente qui va pouvoir s'exprimer verbalement au travers de vos différents messages et physiquement au travers de votre identité de marque. Et tout cela afin de rassurer votre audience et la convaincre de vous faire confiance, même si vous n'avez pas ou peu de témoignages clients. Point numéro 4, mettre en avant votre expertise. Avoir 0 client et 0 année d'expérience en tant que chef d'entreprise ne veut pas dire ne pas avoir d'expérience du tout. Pensez à valoriser celle acquise lorsque vous étiez employé. Ça va rassurer vos clients sur le fait que vous ne sortez pas de nulle part. Vous savez ce que vous faites, même si vous n'êtes pas encore très connu. Si vous avez obtenu des distinctions ou des prix, je vous invite également à les mettre en avant. Il s'agit d'une reconnaissance de la part de vos pairs. Et en plus de rassurer vos clients, ça aussi, ça augmente votre crédibilité. Point numéro 5, offrir du contenu à haute valeur ajoutée. Si vous souhaitez être pris au sérieux et gagner en autorité sur votre marché, rien de tel que créer des contenus gratuits à haute valeur ajoutée. D'un côté, vous exposez vos connaissances au travers de contenus qu'on ne trouve pas partout, ce qui atteste de votre expertise, et de l'autre, vous allez aider des personnes qui ne vous oublieront pas de sitôt, car vous leur aurez enlevé une sacrée épine du pied. Ce sont ces bonnes expériences et ces contenus qui vont vous aider à construire une communauté d'ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont vous recommander. C'est donc votre professionnalisme, votre crédibilité qui va vous apporter les témoignages tant espérés et non l'inverse. Dutchy Originals Limited. Être prince et avoir un avenir cousu de fil d'or ne signifie pas que tout est facile. Le prince de Galles, plus connu sous le nom de prince Charles, en est un exemple parfait. En attendant d'accéder à son futur rôle de roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, il n'a pas la possibilité d'aller travailler. Hormis le fait d'honorer quelques rendez-vous pour la couronne, il n'a pas de rôle spécifique, si ce n'est que d'attendre son tour. Qu'à cela ne tienne, cet homme intelligent et sensible, passionné par la botanique, le jardinage et l'architecture, est bien décidé à faire quelque chose de sa vie et pour son pays. C'est donc tout naturellement qu'en 1985, il lance sa ferme biologique. 5 ans plus tard, la marque Dutchy Originals, en 1990, verra le jour. Ce qui lui vaudra pas mal de moqueries et notamment le surnom du prince des patates. Aujourd'hui, la marque qui favorise l'agriculture biologique et soutient des petites et moyennes entreprises locales, génère des centaines de millions d'euros. Rien que ça. Avec une licence en art et son statut social, je ne suis pas certaine que le prince Charles avait toutes les connaissances et compétences de son côté pour lancer ce projet et les autres qu'il lancera plus tard. À savoir différents projets d'urbanisme, le lancement d'une collection de vêtements durables et la création d'une association pour venir en aide aux jeunes. Malgré les moqueries, le manque d'expérience et de crédibilité au départ, cet homme que certains prenaient pour un original a su développer ses projets. Aujourd'hui, il est même vu comme un avant-gardiste au niveau écologie. Le prince Charles et sa marque Dutchy Originals sont bien la preuve que la crédibilité n'est pas une histoire de statut social, d'argent ou de témoignage. Il est la preuve qu'il s'agit de passion, de sérieux et d'une bonne communication qui finissent par payer. En conclusion, la crédibilité se construit à partir de vous. Elle implique d'avoir une bonne stratégie de branding en amont qui va refléter ce que vous souhaitez représenter et de développer une communication
cohérente. C'est votre capacité à inspirer la confiance qui va motiver vos prospects à vous choisir et non pas les témoignages clients. En effet, ceux-ci ne font que renforcer une crédibilité qui se doit d'être présente dès le départ. Au final, si ceux-ci ne sont pas représentatifs de votre marque, eh bien vos prospects, vos clients n'achèteront pas ou n'achèteront plus de toute façon chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le branding. Si vous avez des commentaires, laissez-les-moi dans la barre ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu d'une part, ça fait toujours plaisir. Et de l'autre, eh bien ça m'aidera avec le référencement sur YouTube. Si vous souhaitez être tenu au courant de la prochaine sortie des vidéos, je vous invite à vous abonner. En attendant, eh bien moi je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. À bientôt.